Une fournée de la semaine, c'est une vidéoscopie, une anecdote que pour l'instant je stocke au frigo pour plus tard et une vidéo d'actualité. Celui qui a fait l'actualité cette semaine, ça n'est autre qu'Éric Zemmour. Alors actualité, il l'a faite à deux titres. Au premier, par sa crypto-déclaration de candidature à l'élection présidentielle aux 22h, je crois, de chez Ruquier et Léa Salamé. Et au deuxième titre, avec son éviction de CNews, je vous laisse de découvrir en quelques instants lequel de ces deux titres je vais commenter, juste après l'habituel. Une fois n'est pas coutume, pas de publicité aujourd'hui pour mes séminaires, mais de la publicité pour la playlist d'extraits de séminaires gratuits. Ben oui, parce que sur YouTube, c'est un petit peu comme dans une salle de cours. Il y a des questions évidentes qui sont tellement évidentes que personne n'ose poser. Voilà, et je sais que j'ai des sources qui me disent que beaucoup d'entre vous, des milliers d'entre vous, en fait, n'ont aucune idée de ce que sont ces séminaires dont je parle à longueur de publicité dans mes vidéos. Bah, il y a une façon très simple de se faire une idée, c'est de picorer au hasard de la playlist extraits gratuits de séminaire. Il y a plus de 50 extraits gratuits à votre disposition qui vont de 15 à 30 minutes. J'en mettrai le lien et dans le coin de l'écran et au pied de la vidéo en description et en générique de fin. Picorez-en au moins une ou deux. Faites-vous un avis sur mon contenu payant avant de l'encenser ou de le critiquer. Après, vous êtes libre, évidemment, d'en penser ce que vous voulez. On tombe amoureux la première fois de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de savoir ce que ça fait. Et ensuite, comme je pense que ça vous plaira, la façon la plus simple de se le procurer, si on en a un besoin impérieux, là, urgent, eh bien, c'est Mad Consulting, la boutique. Et si on veut étaler son investissement sur l'année, c'est l'offre VIP. Mais à la limite, peu importe. Au moins, consultez-en un ou deux. Faites-vous une idée sur la pertinence des idées. Bon, alors, je ne sais pas si c'est le CV de Zemmour qui m'évoque immédiatement Sciences Po et le plan en trois parties. Le fait est que trois parties, vous aurez l'enjeu, hein, enjeu double, triple, même quadruple de cet entretien sur France 2. Deuxièmement, qu'en a-t-on appris et a-t-on appris quelque chose de cette non-déclaration en campagne du probable futur candidat Zemmour? Et troisièmement, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la suite de cette campagne et dans la suite de cette candidature? Oui, nous en sommes désormais au deuxième épisode des Aventures Zemmour 2022. Le premier était une vidéoscopie consacrée à des nombreux bâtons tendus par le système dans ses roues avec l'histoire du baiser volé, semi-volé, pas volé de son ancienne admiratrice. Hein, je vous en laisse maintenant découvrir quelques secondes via la vidéoscopie de l'époque. Le réseau, c'est comme le groupuscule, c'est quand c'est les autres. Quand c'est le camp du bien, c'est un collectif. Quand c'est le camp du mal, c'est des réseaux, des complots et des groupuscules. Aujourd'hui, c'est une vidéo d'actualité où le contexte est le suivant. Premier élément de contexte, j'ai rédigé cette bafouille avant l'annonce de son éviction de CNews, éviction sur laquelle je m'exprimerai sur Twitter. Et donc, deuxièmement, c'est sur Twitter également que vous allez pouvoir consulter les montages que mon équipe a fait de cette séquence télé. L'algorithme de YouTube ou la boîte de prod, je ne sais pas, nous empêche d'uploader une seule, la moindre image de cet entretien, fait immédiatement tomber la vidéo, alors que d'habitude, nous avons des subterfuges techniques, des filtres, des inversions d'image, des cadrages, pour vous permettre de visualiser ce dont je parle, même en moitié d'écran ou en quart d'écran. Là, on a tout testé, croyez-nous, ça tombe tout de suite. Donc, ce qui veut bien dire que les GAFAM sont sur les dents. Et dernier élément, celui-ci beaucoup plus contextuel à l'émission, il faut bien comprendre que, indépendamment de leur âge qui est proche, nous avons deux notoriétés vedettes du petit écran en présence. Bon, j'exclus Léa la Matrice, on verra dans quelques instants pourquoi je la surnomme ainsi. Mais en la présence de Laurent Ruquier, nous avons quelqu'un dont la carrière
médiatique est globalement derrière lui et dont les audiences s'érodent, hein, environ à moins de 30% d'audience par rapport à la grande époque dont n'est pas couché. Et pour Zemmour, au contraire, encore une fois, indépendamment de leur tranche d'âge qui, j'imagine, à vue d'œil, la même, on a quelqu'un qui a décuplé l'audience sur son segment en l'espace de 2 ans, et donc dont l'ascension est croissante, voire verticale en termes d'influence. Hein, toujours bien le garder à l'esprit pour ce qui suit. Alors, je vous avais promis un plan en 3 parties, donc partie 1, triple enjeu. Alors, le triple enjeu, d'abord un enjeu politique. Comme disait je ne sais plus qui, la politique, c'est désigner l'adversaire, c'est-à-dire par contraposition, se situer soi-même sur l'échiquier. Hein, je dis où est l'autre, je désigne, je trace par terre la frontière, l'infranchissable de mes idées, de ma ligne, ce qu'on appelle la ligne. Et donc, ça me permet, une fois cette ligne tracée, de me situer en deçà de cette ligne. Alors, pour Salamé et Ruquier, l'opinion majoritaire en ce moment en France serait celle d'Éric Zemmour. Et pour Éric Zemmour, l'opinion majoritaire en France est celle de Salamé et Ruquier. La première réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'en réalité, les deux ont raison. Puisque c'est l'instrument de mesure et les conditions expérimentales qui sont pipées. Ce que j'appelle l'instrument de mesure, c'est l'élection présidentielle à 2 tours, et les conditions expérimentales, c'est la campagne. Je ne parle pas que de la campagne officielle, qui est très brève en France, qui ne dure que, si je ne m'abuse, une quinzaine de jours, mais je parle de l'année de campagne. On va voir pourquoi tout ça est pipé. En temps normal, c'est-à-dire 4 années sur 5, plus d'un Français sur 2 trouve qu'il y a trop d'immigrés en France, plus d'un Français sur 2, 58%, désire la fin du regroupement familial, plus d'un Français sur 2, celle du droit du sol, et plus de 3 Français sur 4, c'est-à-dire plus de 75% des Français, souhaitent reprendre la main sur la politique migratoire. Je passe sous silence, même si Charles-Henri et d'autres m'ont reproché de le faire, je passe sous silence le fait que ce sont des vœux, entre guillemets, pieux, c'est-à-dire totalement orthogonaux avec le maintien de la France dans le traité de l'Union européenne. Parce que moi, madame, je connais mes traités, comme disait un certain petit monsieur replay sur Internet il y a 5 ans, articles 67, 77 et 69 des 10 traités. Mais ça, c'est en temps normal, c'est 4 années sur 5. Et il ne faut jamais oublier que parfois, les permanences peuvent perdre dans le match avec les contingences. Et les contingences, c'est les campagnes présidentielles. 1 an sur 5 désormais. Et 1 an sur 5, ça fait quand même 20% de votre vie, hein, au cas où vous vous demanderiez encore la raison du raccourcissement des mandats. Eh bien, 20% de votre vie, vous serez en campagne officielle, vous vivrez une campagne, un ramdam médiatico-politique qui précède donc l'élection et qui a pour but de vous remettre dans le droit chemin en vous rappelant que les idées que vous aviez patiemment nourries et entretenues pendant les 4 années qui précèdent, ont conduit vos ancêtres au repli sur soi, à la peur de l'autre, et ont failli leur faire bouffer du bratwurst curry au petit déjeuner. Et puis donc, conclusion de l'expérience, hein, je vous parlais de conditions expérimentales et d'expérience, conclusion de l'expérience, la dernière fois, ça s'est terminé avec, grosso modo, 1/5 des voix pour le FN, je parle en inscrit, hein, pas en exprimé, mais c'est pour avoir des ordres de grandeur, et 1/100 environ pour le Frexit. Donc, en démocratie, la domination des idées passe par la domination des foyers. Donc oui, les deux ont raison, le journalisme France-Interien, représenté par Léa Salamé, et la bande à Ruquier, représentée donc par Laurent Ruquier, ont raison de qualifier de majoritaire les positions islamo-ralbolistes d'Éric Zemmour dans l'opinion, mais sans jamais préciser dans quelle opinion. Elles sont majoritaires dans une opinion brute, intime, dans ce que mon ex-Aurora appellerait un sentiment d'opinion. Un sentiment d'opinion souvent non exprimé, car non exprimable même dans le privé. Je reçois régulièrement des messages d'abonnés me disant avoir perdu eux-mêmes des abonnés, voire des connaissances, voire des amis, en s'abonnant au compte Instagram de Zemmour, à la chaîne YouTube de Tonton Stéphane. Et Éric Zemmour est globalement, on va dire ça, sa communauté, c'est-à-dire la Ligue de défense contre le grand remplacement, coucou Gérald, a raison dans le constat qu'elle est minoritaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est minoritaire dans les médias, donc dans et pendant
les campagnes et donc dans et pendant les votes. Alors, à titre personnel, je vois les ordres de grandeur ainsi. Un tiers. Hein. Les plus affûtés d'entre vous remarqueront que je nourris un peu une obsession pour le chiffre 3, parce que 3, c'est les récurrences. 3, c'est la règle de 3. Et 3, désormais, c'est la règle des 3 tiers. En fait, un tiers est ce qu'on appellera islamo-gauchisant, c'est-à-dire hypo-conséquentialiste, c'est-à-dire importer, on verra bien après, et puis s'il se passe quelque chose, ça sera pas très grave. Avec un petit peu d'amour, on résoudra tout ça. Sauf que, comme disait l'humoriste camerounais, parfois, ce qui résulte de beaucoup d'amour, quand ça rentre par certains endroits, ça n'ira pas forcément à la maternelle. Le tiers de droite, il est hyper conséquentialiste, au sens où il dit « j'ai rien contre ces gens, par contre, ça serait quand même mieux qu'ils restent chez eux, parce que chez nous, globalement, on va vers le pire ». Et le tiers du milieu est aussi, il tel le balancier, au gré des événements, plutôt euphorisant quand l'événement escalade un balcon pour aller sauver un enfant égaré de la chute, ou un événement plutôt tragique quand la promenade des Anglais se couvre de rouge ou des salles de concert. Entre accueillisme abstrait et méfiance pragmatique, le balancier, cher à Maurras dans sa fameuse phrase « la balance » qui fait passer de Demos à César et vice-versa. Alors ça, c'était pour l'enjeu politique. Pour l'enjeu médiatique, eh bien, se délivrer de leur ressentiment mutuel d'avoir été subjugué. Oui, je perçois peu de politique, peu d'analyse, peu de contradictions. Je perçois beaucoup de ressentiment chez Laurent et surtout chez Léa Salamé. Le ressentiment étant le sentiment amoureux par lequel on désaime et on se sépare de la personne qui vous a insufflé, qui vous a pénétré. Donc je disais surtout Léa, qui n'est pas la lame la plus affûtée du tiroir. Hein. Si j'étais dur, je dirais même que c'est un peu l'idiote de la famille de l'hyperclasse mondialisée. Il faut comprendre que Léa... Si pour vous, elle a réussi dans la vie, pensez quand même que son père, en partant de pas grand-chose, a été ministre, poisson pilote de toutes les élites mondialisées, New York, Genève, Paris. C'est lui qui la fera rentrer à Europe 1 via un coup de fil à El Kabach. Bon, sa maman était issue d'une famille de riches diamantaires. Je renvoie pour ça au dossier qu'a publié sur elle Faites des documents en 2015. Et comme une femme, disais-je, qui entre en désamour, Léa Salamé pense le réfuter, alors qu'en réalité, elle le régurgite. C'est maintenant le moment où je voulais vous partager avec vous un montage de ces plus belles questions. Hein. Mais je ne peux pas le monter ici, la vidéo serait immédiatement strikée. Je vous invite donc à le regarder, ce montage, sur Twitter. Et d'ailleurs, je vous prédis, alors là, vous allez me dire, non, tu vas pas oser. Bah si, je vous prédis un petit peu le même sort avec Christine Kelly. Je souhaite me tromper. Je crains que dans quelques années, elle régurgite la fascination pour le fascinus. Hein. Je vous laisserai voir chez Quignard ce qu'est le fascinus pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Mais moi, je me souviens parfaitement du premier passage de Zemmour dans Face à l'Info. Il sortait déjà d'une restriction d'antenne. Je crois qu'en radio, il était passé d'une présence quotidienne à une présence hebdomadaire, dans un contexte comme ça, toujours de rétrécissement de sa surface médiatique. Et je me rappelle qu'il l'a déchiré, en fait, avec une grande agressivité à sa première interview. Alors, on va parler parce concrètement. Que, écoutez, soyez gentils, laissez-moi développer, parce que là, c'est plus possible, on ne peut pas parler. Si vous nous interrompez toutes les deux minutes, on ne peut pas parler. Maintenant, 2 ans plus tard, ils étaient les 4 mousquetaires, copains comme cochons. Eh bien, je pense que Christine Kelly, comme Léa Salamé, a été séduite, attirée et convaincue par le fascinus du gros logos zémourien, et que, eh bien, dans quelques années, quand elles verront que finalement, elles se seront, on va dire, perméabilisées à d'autres idéologies, eh bien, elles le régurgiteront avec la même, comme ça, contraction du diaphragme et le même sourire vers le bas, là, qu'avait Léa, on montrera en post-production pendant l'interview. Pour Ruquier, c'est un peu plus subtil. Je décèle un reste de respect quand même pour Éric Zemmour, qui a été son salarié tout en lui résistant. Et comme disait De Gaulle, je respecte ceux qui me résistent. Bon, malheureusement pour eux, je ne les supporte pas. Montrons donc un montage, cette fois-ci, via Twitter. Des remarques et des réserves de Ruquier vis-à-vis de Zemmour. Alors, troisième enjeu, un enjeu déontologique, c'est la nature du travail de journaliste dont Léa Salamé représente aux yeux de Zemmour, en fait, le dévoiement, puisque
Léa Salamé a réduit le métier de journaliste à être le réceptacle, c'est-à-dire l'accoucheuse d'une forme d'annonce. Alors, on se rappelle que son commentaire politique sur l'élection de Barack Obama s'est résumé à « J'étais là pour France 24, c'est moi qui l'ai dit en premier ». On rappelle que son analyse politique de la démission du ministre charismatique et emblématique du premier gouvernement Macron, c'était « ça s'est passé chez nous ». Et on verra même, en retrouvant ses interventions dans l'entre-soi France Interien auquel elle s'est livrée dans les minutes qui suivaient un peu en off, enfin ça a été capté comme ça par une caméra, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on verra qu'elle mime avec les mains vraiment l'endroit où se font et d'où sortent les enfants, là, comme si vraiment elle avait aidé à accoucher. Je vous jure, je ne l'invente pas, on montrera bien la position des mains où elle désigne vraiment le réceptacle, quoi, la matrice. C'est la sage-femme du journaliste, quoi. C'est vraiment la réduction ovarienne de la nouvelle. Et sur le plan... Ah oui, alors j'avais promis un triple enjeu, en fait c'est un quadruple, vous en avez un bonus offert avec. Sur le plan personnel, le but était évidemment de pousser le futur candidat à sortir de ses gonds, à se départir de son calme et du contrôle qui sont attendus de la stature d'un dirigeant. Ceci de trois façons, en l'invectivant, c'est pas grave, il sait gérer. En l'interrompant, c'est déjà plus grave, car il a l'orgueil des gens intelligents. L'interrompre, mal l'écouter ou ne pas l'écouter, c'est l'empêcher de développer un raisonnement syllogique, et ça, en général, ça l'énerve. C'est là que j'ai envie de partager avec vous le montage des meilleures interruptions. Et également, on a cherché à le pousser à la faute sur le plan de la connivence et des informations privées, en essayant de lui faire mentionner des amitiés ou des inimitiés avec le petit Paris. Et par exemple, une forme de piège dans laquelle il n'est pas tombé, c'est de révéler par exemple au public que dans l'affaire des prénoms, hein, Léa Salamé lui a rappelé qu'il voulait franciser le prénom des immigrés, a fortiori de ceux de deuxième ou troisième génération. Eh bien, Zemmour aurait eu beau jeu, car il ne peut pas l'ignorer, de rappeler à Léa Salamé qu'elle ne s'appelle pas Léa, mais en fait, Allah Salamé, vous teniez, Léa, à partager quelques mots. H-A-L-A, de la même façon que son père s'appelle Gassan et sa sœur s'appelle Luma, d'accord, mais que pour faire une carrière de beurette à Corte, eh bien, il vaut mieux s'appeler Léa que Allah. Donc en fait, elle s'est livrée à ce qu'elle lui reproche. C'était le réflexe le plus évident, la solution la plus simple de lui reprocher. Il a eu l'intelligence de ne pas le faire, car il n'a pas comme ça ouvert la vanne des secrets de Polichinelle, des secrets du petit Paris, car quand on l'ouvre, on ne sait pas où ça s'arrête, et ensuite elle s'arrête généralement sur des faits divers. Partie 2, vous disais-je, a-t-on appris quelque chose, et si oui, quoi? Moi, j'ai pas appris grand-chose, je n'ai appris que des confirmations. Confirmation que le sort de Zemmour dans les médias ne tenait finalement qu'à un fil qui est en train de se rompre. Confirmation que la carte communautaire ne tient pas autant que l'explique une partie de la droite quand on ne participe pas ouvertement au projet mondialiste. CF, la haine de Patrick Cohen, entre autres, à son encontre. Hein. CF aussi le reproche d'absence de fraternité juive suite à son constat au sujet des victimes de Mera et au lieu de leur sépulture. Troisièmement, que l'épisode du baiser volé, comme je l'avais prédit dans une vidéoscopie antérieure que je vous lit maintenant dans le coin de l'écran, a fait pchit. Quatrièmement, que Salamé, c'est un peu la Sonia Mabrouk de gauche, hein, c'est-à-dire que à la différence de l'autre qui a un shotgun, elle a un pistolet à eau. Ensuite, apparemment, la destinée de la lignée Salamé-femme, c'est d'être en fait ce qu'exècre Zemmour, c'est-à-dire la matrice d'homme politique au sens propre et au sens figuré. Hein. On rappelle que Léa slash Allah Salamé est la concubine de Glucksmann, avec qui elle a eu un enfant. Glucksmann, c'est le combo magique, hein, député européen, socialiste, libéral, chroniqueur sur France Inter, atlantiste, soutien de Sarkozy, puis de Hamon, puis de Macron. Bon. Ouh, c'est un bingo! N'en rajoutez pas la coupée pleine. Et sa sœur Luma a épousé un énarque, ambassadeur, conseiller diplomatique d'Edouard Balladur, membre du siècle et neveu du directeur d'M6. Voilà, on rappellera à cet instar que Zemmour se crée une haine quasi physique. Ça lui a d'ailleurs généré une de ses meilleures punchlines vis-à-vis de cette journaliste blonde qui s'était pondue d'un ouvrage psychologisant sur la classe politique et à un moment invectivé sur son apparente méconnaissance du sujet. Zemmour avait répondu « Oui, mais les politiques, je les connais », ce à quoi elle avait dit moi aussi, mais il avait répondu « Oui, mais sauf que moi, je couche pas avec ». Vous êtes l'incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j'appelle le journalisme féminin.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce que ça nous a rappelé? Que Zemmour a la faiblesse de sa propre force, c'est-à-dire l'intelligence et plus précisément sa rigueur syllogistique. La syllogique, c'est la faculté à lier des propositions en toute rigueur sans supposer que certaines sont sous-entendues ou connues de tout le monde. CF, quand on lui parle de l'islam, sa rigueur à redéfinir ce qu'il entend par islam, islamisme, Coran, praxie, orthopraxie, code religieux, code civil, code juridique, etc. CF, pareil, quand on lui reproche de ne pas être assez républicain, d'être un ennemi de la République, sa volonté de mettre en perspective, ça vous rappellera quelqu'un qui a toujours besoin de rappeler le contexte et la définition des mots, oui, mais ça, c'est un marqueur d'intelligence. Et quand on l'a, le problème, c'est qu'on est extrêmement clivant, c'est-à-dire qu'on va convaincre et emmener les déciles supérieurs de la courbe de QI. Le problème, c'est qu'on perd les autres qui sont frustrés parce que la réponse vient pas tout de suite. On me dit souvent, t'es trop long, t'as qu'à faire un titre et puis tout de suite donner la réponse. Quand on est intelligent, on ne peut pas. Voilà, c'est apprendre à reconnaître la logique des gens et les marqueurs. Pour finir, on découvre aussi que cette rhétorique le cantonne soit à un score minoritaire, hélas, ce qui fera toujours un peu de peine, soit à des compromissions, c'est-à-dire à une forme de démagogie qui ne passeront certainement pas inaperçues auprès de son propre camp et de ses suiveurs. Démagogie sur laquelle nous allons maintenant revenir avec la partie 3, ce qui va se passer. Je prédis quoi? Je prédis que Éric Zemmour, paradoxe ultime, va devenir la coqueluche des réseaux sociaux après les avoir snobés depuis leur lancement. On rappelle qu'il s'était refusé à ouvrir des comptes et que c'était en fait des comptes de fans, ce qu'on appelle désormais des comptes de nurshi. Tiens, d'ailleurs, mon nurshi Instagram est en pause. Apparemment, mon nurshi avait plus le temps, donc si quelqu'un veut le reprendre, qu'il se manifeste. Mais on a beau devenir la coqueluche des réseaux sociaux après les avoir boudés, c'est un tour de force admirable, mais enfin, c'est un succès d'audience en ligne qui ne doit pas faire oublier que 3 Français sur 4 ne vont pas sur Twitter, que même chez ceux qui y vont, 90%, c'est pas pour s'informer, c'est pas pour chercher de l'info, c'est pour chercher du divertissement. Dans un passé récent, le fameux petit candidat Replay, dont on n'aura toujours pas le nom, mais dont les initiales sont la première et la troisième lettre du mot France, s'est rétamé sur le plafond de glace des 1%, alors qu'il avait, je cite, le site le plus lu de tous les partis politiques. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma première prédiction. Et puis ma deuxième, c'est qu'Éric Zemmour va devenir un homme politique à découvert, donc céder à l'obsession du rassemblement. On fera un petit montage d'homme politique disant qu'il faut rassembler, et donc s'abstenir de certaines positions clivantes, notamment sur certaines décisions sanitaires, ce en quoi il a raison, c'est en cohérence avec son projet, je ferai de même. Attendez-vous donc, après 15 ans de PLS royal, à une petite couche de gelée royale de démagogie. Voilà, c'était mon retour sur la crypto-déclaration de candidature à l'élection de Zemmour chez Ruquier et sa consoeur Hala Salamé. Bref, c'était la vidéo d'actu de la semaine. Si vous trouvez que Bibi a fait le boulot, c'est le moment de le rétribuer avec un pouce. Si vous en voulez plus, c'est le moment de le dire en commentaire. Si vous avez manqué les précédentes, c'est le moment de vous rattraper en suivant le bout de mon doigt. Et écoutez, à la semaine prochaine.